les créatrices et les créateurs, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo dont je vous avais parlé depuis un moment. Il s'agit du swap que j'ai fait avec donc Charlotte Sucrerie de la chaîne Charlotte Sucrerie. Donc le thème de ce swap était l'automne. Alors pourquoi l'automne alors qu'on est en hiver dans une semaine? Tout simplement parce qu'en fait on devait faire le swap plus tôt et il y a eu des petits soucis. Bon bref, je vous épargne ça et on va directement découvrir ce que c'est. Donc tout d'abord vous pouvez voir qu'il y a du rose absolument de partout. Elle m'a vraiment gâtée. Elle a mis des jolis washi tape glitter rose aussi. Malheureusement ils sont sous le scotch, alors je vais pas pouvoir les récupérer. Alors le colis ne risquait pas de s'ouvrir. Il était plein de scotch et j'ai vraiment galéré. J'ai fait ça au scalpel. Je ne l'ai pas ouvert plus que ça et on va découvrir ce qu'il contient ensemble. Alors voici l'intérieur. Donc là je viens de l'ouvrir. J'ai passé ce moment parce qu'en fait je voulais prendre une photo pour la miniature tout simplement. Donc il y avait ça par dessus et ça vient de sauter. Donc une petite carte avec écrit merci pour ce super swap signé Charlotte. Ah, elle a une carte et tout. Ah, il y a son numéro de portable. Enfin, vous allez me dire si elle a mis son numéro de portable sur la carte, c'est peut-être parce qu'elle veut le montrer, mais je vais quand même pas le montrer. On sait jamais. Donc, super, elle a une très très jolie carte. Bravo à toi. Ensuite, donc, nous avons du petit papier bulle pour protéger. Et à l'intérieur, nous avons le menu. Le menu qui est tout rose, lui aussi. C'est parti. Alors, voici comment ça se présente. Hop. Voilà, donc je vais essayer de deviner comme avec Mystève, je ne sais pas si je vais y arriver, en général j'y arrive pas. Vous pouvez voir aussi que c'est un carton de la petite épicerie, je crois que c'est le classico en fait de mettre le carton de la petite épicerie, puisque j'avais également fait ça pour Mystève et elle avait fait de même pour moi. Donc c'est parti, le premier dans le thème, mais hors saison. Donc le thème était l'automne, je vous le rappelle. Alors, dans le thème, mais hors saison, là quand je touche, je suis vachement heureuse. Parce que c'est un peu la forme des paquets de Pacte Pardo dont je vous avais déjà parlé. Je pense que c'est ça. On va voir tout de suite. Alors là, il y a une petite gommette croix. Super mignonne. C'est très très bien emballé. En tout cas, elle va être un petit peu déçue de mon emballage. Je suis désolée. Oh my gosh, je crois que j'ai rêvé. Oh là là, c'est trop cool. C'est en effet de la pâte Pardo. Donc merci beaucoup Charlotte parce que je sais que ça coûte une blinde. Et c'est vraiment ce que je voulais parce que, comme je vous l'avais déjà dit, j'adore vraiment cette pâte, elle est super. Merci beaucoup. Et donc, du coup, c'est du rose. Ah, ça a baissé la température du 120 parce que je vous rappelle que ma pâte était très vieille. Et là, elle a dû prendre un truc super sympa, du Neon Pink, non, Bing Pink. Wouh, on va y arriver. Donc, du rose flash. C'est même pas ça, c'est... Bref, on a compris, d'accord? Neon Pink, c'était clair. Bref, tu voulais scraper? Alors, scrap. Donc, a priori, ça va être quelque chose... de scrapbooking, puisque je lui en avais parlé un petit peu que bah, plus tard, si ça m'en soupe peu, j'allais me mettre au scrapbooking certainement. Je ne cacherai pas que là j'ai pas eu le temps encore, je suis vraiment en ce moment j'ai un peu la tête sous l'eau. Alors je ne sais pas où est le numéro 2, ils sont bien cachés, donc le numéro 10, le numéro 4, oh là là, là quand je touche j'ai déjà des petites idées de ce que c'est et je peux vous dire que elle m'a régalé et c'est vraiment cool Charlotte, je suis trop contente, j'espère que mon colis te plaira autant. Alors le numéro 2, c'est parti. Donc a priori, je vous dis que c'est des stickers. Voilà, c'est l'impression que j'ai. Donc on va voir ça immédiatement. Oh là là, mais l'emballage, j'ai honte Charlotte, je suis vraiment désolée. Alors ce n'est pas des stickers, ce sont des tampons transparents. Ils sont trop mignons. Ils sont trop choux, plein de petits cœurs, plein de petites étoiles, c'est vraiment le genre de truc qu'on peut mettre partout et c'est vraiment parfait. Puisque j'ai un Polaroid, ça personne ne le sait, mais je vous le dis quand même, j'ai un Polaroid en fait. Et pour Noël, j'aimerais avoir un album que je pourrais personnaliser, donc avec mes photos de mon Polaroid volleyball. Donc ça va être au top. En plus, il y en a vraiment beaucoup, c'est trop cool. Bon bref, je vais pas m'apesantir, ça me plaît beaucoup, mais j'ai pas envie que ma vidéo fasse 3 quarts d'heure non plus. Bref, beau palais d'argent. Alors, est-ce que c'est Elsa qui est là parmi nous? Je ne sais pas. Alors, voyons ça. Le numéro 3, pardon. Donc, beau palais d'argent. J'ai l'impression que c'est des perles. Et un peu de washi. Je ne connais pas cette couleur, c'est très joli en tout cas. Alors, beau palais d'argent. Franchement, ah, je crois que c'est de la pâte au yumaro. Non, pas du tout. Si j'ai d'autres suggestions, je n'hésiterai pas. Ah bah oui, je suis bête, c'est des apprêts en argent. Donc là, c'est de la chaîne à maillon rond, a priori.
Donc vachement cool les maillons ronds, c'est quelque chose que j'ai pas du tout et ça peut être vachement sympa, je pense qu'il y a un maître. Donc elle m'avait dit qu'elle avait beaucoup de petits emballages, qu'elle aimait les emballages, moi j'en avais pas beaucoup, je crois que j'ai un peu, j'ai un peu fait les fonds de tiroir pour faire tout ça, je suis vraiment désolée. Bref, de la chaîne. Des clous à tête plate. Et alors ça c'est le mousqueton de luxe les amis. Je suis vraiment désolée, je parle un peu comme les youtubeurs j'ai l'impression parce que je regarde beaucoup de vidéos de let's play et d'où cette façon de parler. C'est un super mousqueton, vraiment très très beau, très chic, j'adore. 4. Mint. Alors mint qui veut dire menthe évidemment. Bilingue bientôt. Hein. Encore avec du beau washi. Donc après mint, alors qu'est-ce que c'est? Je pense, vu la... Ah non, c'est de la fimo. Je veux dire, est-ce que c'est de la sculpté? Non, a priori. A priori, c'est plutôt de la fimo. C'est parti. Et c'est en effet de la Fimo numéro 505, couleur menthe. Donc c'est super cool parce que je ne l'avais pas et c'est une couleur vraiment jolie. Merci beaucoup. Alors 5, un peu de tout et de rien. Donc je vois que je n'ai pas été la seule à ne pas trop savoir quoi mettre dans mon menu. Non, c'est pas méchant. Ça veut dire qu'il y aura plein de choses et que ça va être méga cool. Donc ça va être cool. Voilà, c'est... J'étais très forte en exposé. Hein. Alors, oulala, en effet, il y a plein de choses, c'est exactement ce que je vous disais. Donc, nous avons un anneau fermoir, comment ça s'appelle? Porte-clés, merci, un porte-clés en forme de fleurs. Des petits nœuds, un rose et un violet. Oh là là, j'adore. Une petite fiole avec une forme vraiment particulière. J'ai pas du tout ce genre de fiole. Et je fantasme dessus depuis un petit moment, mais c'est vrai que le prix m'avait un peu rebuté. Donc c'est super cool. Nous avons un cabochon rose, ainsi que un... Tac, 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 c'est pour les portables. Une dragonne, pour portable. Voilà. Et là, oh là là, c'est trop mignon. Ce sont trois breloques. Donc nous avons un cygne, couleur argent vieilli, super mignon. Alors là, la clé de Mickey, j'adore, il y a pas longtemps je disais justement que j'adorais les clés, enfin pas à vous, mais j'ai dit à une amie que j'adorais les clés, et là c'est la clé en forme de Mickey, ce qui me rappelle en fait Kingdom Hearts, qui est un jeu vidéo qui tourne vraiment autour de ça, je pense que la clé a été inspirée de ça, ou peut-être pas du tout, mais voilà, je suis quand même paranoïa, laissez tomber. Et enfin, une breloque visage, alors je ne sais pas, peut-être que c'est une déesse, peut-être que c'est Hercule avec les cheveux longs, je ne sais pas, bref, merci beaucoup. 6, 1 km à pied, salut, oups, 1 mètre à pied. Donc, a priori, ça va être quelque chose qui va faire 1 mètre. 1 mètre. J'ai dit combien? Numéro 6. Ok, alors on a encore le célèbre washi tape. Elle a une belle collection de washi tape, si vous voulez mon avis. Parce qu'il y en a vraiment partout. Et c'est vraiment sympa. Hop. Aha! Je pense que tu as fait des super indices parce que c'est très rare que j'arrive à deviner. Donc c'est un ruban couleur ivoire en satin. Pardon, je la vois casser un petit peu. Super mignon, merci beaucoup. 7. Poudre féerique. Ah là là, ça va être de la poudre parce que j'avais dit, oh là là, trop mignon le washi. Que je voulais justement bah, les poudres argent, or, bronze, enfin ces choses là. Et donc ça doit être une de ces trois là. Suspense. Que va-t-il se passer? Attendez, je vous laisse découvrir avant moi. Je ne vois pas ce qui se passe. Là, j'ai le dos. Et c'est de la poudre d'or. Ah, c'est trop joli. Merci beaucoup. Franchement, c'est super sympa parce que ça aussi, niveau prix, c'est plutôt pas mal. Donc, vraiment, merci. Numéro... Oh, j'ai cru que j'avais raté un truc. Non. Numéro 8. Tout de noir vêtu, je suis Batman. Ouais, je crois que ouais, Batman est en noir. J'ai eu un doute, d'un coup je pensais à Superman. Je ne sais pas. Ah, ce sont des cannes. C'est trop mignon. C'est une canne papillon et une canne fleur avec plusieurs couleurs. Super joli. Merci beaucoup. Alors, 9. Mademoiselle sort sa robe d'hiver. Elsa? Encore? Je ne sais pas. Ah ah! C'est ce que j'avais touché tout à l'heure et je pense que c'est encore de la part d'eau. Alors, attends, mais elle a vraiment plein de washi, c'est officiel. Je suis un peu jalouse là. Donc, sort sa robe d'hiver. Est-ce que c'est du bleu pailleté? Est-ce que c'est du blanc? C'est du jaune.
numéro 9. Pourquoi pas? Donc c'est du jaune, de la pâte Pardo, encore une fois, c'est vraiment cool. Le numéro 102, Topaz. Ah ok, alors je pense qu'en fait Viva Décor, donc la marque de la Pardo, n'a pas vu de Topaz dans sa vie. Mais c'est pas grave, du moment que c'est de la Pardo, je suis heureuse, donc tout va bien. Next. Oh là là, j'ai vraiment la voix cassée, dites donc. Au pays lointain de la... Kawairi. Kawairi, oh là là, pardon, désolée. Kawairi, donc kawaii, ça veut dire quelque chose de mignon, donc ça va être super mignon. Est-ce que ça va être des lapins qui dansent? Je ne sais pas. Suspense, suspense. Là, j'ai vraiment aucune idée. Je pense que ça va être encore des temps, si vous voulez mon avis. Oh, trop chou, c'est un petit bloc-notes Rilakkuma. Rilakkuma, apparemment, c'est le nom de ce nounours. J'en entends énormément parler et je ne savais pas vraiment ce que c'était jusque-là. C'est super chou. Franchement, trop kawaii. Oh non! On a zappé le 10! Bon, c'est pas grave, j'avais dit les bons indices. Ok, alors 10, c'était je t'ai griffé, pardonne-moi. Alors là. Ah bah, des fermoirs griffes. Okay. Évidemment. Ah bon. Ah, ces emballages, plus ça va, plus j'ai honte de ce que j'ai fait. Et en effet, ce sont des petits fermoirs griffes. Donc il y en a 5. Couleur argent. C'est cool parce que j'ai plein de rubans et j'ai pas pris toutes les bonnes tailles de fermoir puisque je suis en génie évidemment. Donc super. Alors 12, un joli parfum d'hiver. Alors le 12 apparemment ça va vraiment être un parfum a priori puisqu'il est emballé dans quelque chose qui protège un peu. Et donc on va voir ça immédiatement. Oh là là, elle a vraiment fait les choses bien. Il est trop beau ce washi. J'adore. Même là de loin, je sens déjà, oh non, tristesse, je vais pas pouvoir le récupérer. Bon, tant pis, c'est pas grave, je l'admirerai de loin, dans ma poubelle. Je parle du washi, hein, évidemment, pas du parfum. Oh, ça sent vraiment bon. C'est une bougie, alors je me suis... Ah, c'est une Yankee Candle. J'en entends énormément parler, apparemment. Ce qu'on m'a dit, c'est que l'intérêt, c'était évidemment que les bougies sentent très fort, même sans être allumées. Et je vous confirme, ça sent super bon. Je sais pas quelle odeur c'est. Je suis pas super douée. Et on souhaite d'enfants. Avec... Achilwish. Je ne sais pas. Bon voilà, c'est juste un souhait d'enfant le nom. Et je ne sais pas à partir de quoi c'est fait. Mais en effet, ça sent super bon. Et je te remercie vraiment une fois de plus. Je pense que j'ai dit vraiment beaucoup de fois merci dans cette vidéo. Et ensuite, souvenir de moi. Donc ça, évidemment, c'est la création. Enfin, évidemment, je pense. Mais j'y crois très fort. Puisque vous savez que c'est un peu le truc des swaps de faire une création. Et c'est un cupcake. Un joli scrap. Ouh là là, on ne sait plus parler. Un joli... Oh là là, bijou de portable, on va dire. Il y a un autre mot. On va dire bijou de portable parce que j'ai pas l'autre mot en tête. Il est super bien réalisé. Je sais pas si vous allez bien vous rendre compte, mais en fait, il est incroyable au niveau détail. Non, il est oufissime. Il est très très beau. Super, merci beaucoup. Et bien voilà, c'est la fin de ce swap. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. J'espère que ça vous aura plu, pardon. Et je remercie une fois de plus Charlotte pour tout ça. Donc je vais vous mettre un petit peu rapidement là. Ouh, à la one again. Pour vous rendre compte un petit peu de la générosité, pardon, de Charlotte. Alors là, je suis vachement drôle parce que je vous le mets à l'envers. Tout à l'heure, je vais prendre ma caméra et du coup, il y aura tout à l'envers. Dans tous les cas, et on va être deg. Alors, non, c'est vraiment impressionnant tout ce qu'elle m'a acheté. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que mon swap t'aura plu de ton côté, Charlotte. Et j'ai vraiment la honte là, niveau, niveau emballage. Avec la carte, je vais pas vous la mettre parce qu'il y a le numéro de téléphone une fois de plus, même si, comme je vous l'ai dit, je pense que c'est pas un problème. J'ai rien oublié. Et voilà. Merci à toi, Charlotte. J'ai vraiment été super gâtée. Et que dire à part merci. C'est vraiment sincère. Bref, c'est bon. J'arrête de blablater. Je prends la caméra. Hop, vous voyez tout correctement, hypothétiquement. Et je vous dis à la prochaine.